ne faillirons point. Parce que nous sommes toujours là, quel que soit l'endroit, en direct des collines de Nkomiada, au palais des congrès, Comédie Presse, les 60 minutes les plus attendues de votre chaîne de télévision Canal International. Vous êtes à la maison, nous sommes ici. Bienvenue à tous. Et on va se retrouver après un très court instant. Jingle. Alors, petit président, bonjour. Bonjour, Mbouta. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal International. Vous êtes sur Comédie Presse. Très bien. Mais monsieur le secrétaire d'État, la défense chargée de la gendarmerie, un camion qui transportait les élèves gendarmes pour Koutaba a lâché. Ils n'ont pas lâché, c'est une récupération. Vous savez, quand on part à Koutaba, il faut toujours être prêt. Et en voulant essayer d'accélérer un peu, ils ont juste freiné. Et quand ils ont freiné, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Bon, le reste, on va faire d'en parler tout au long de l'émission. Je pense que c'est clair. Quelqu'un qui n'est pas souvent sur ce plateau, mais qui a quand même tenu à être là. Oh boy, good morning, you are welcome. Yeah, good morning, you are welcome. My name is Oh boy. And it depends from where you come from. If you have a bit of money, you call me Oh boy. Oh boy. Yeah, but if you're a poor guy like me, you call me Oh boy. Oh. Mais tu as pris la voix du président de la République, là, une voix grave, une voix champagnalisée. Le président de la République a fêté son 84e anniversaire. Alors, le secret, c'est quoi, à votre avis, le secret de ce type-là? Parce que 84 ans, il est toujours peignant. I want to believe that he's drinking Jensen. Yes. Jensen, that milk, that juice, you know. We know you drink it, you stay young. However, it's AC. You know, the houses where he grows. De temps en temps, vous traduisez pour voilà. Certaines personnes comme... No problem. Lui, il comprend un peu. Parce qu'un président qui est dans les ventilateurs tout le temps, mais he has to remain young. Yes. Bon, regardez-moi, j'ai à peine... 17 ans. Merci beaucoup. Comment tu as su? Parce que je sais que tu as dit... But I am old because I am not under AC. Kegege international. Kegege international. Ouais. Aujourd'hui, tu es avec Kuntasha, apparemment. Dis-donc, je dis qu'il y a une jeune fille derrière moi, là, j'espère qu'elle ne sort pas à l'écran de télévision. Parce que si Kuntasha la visualise, I am a hungry man, je suis un gars fini. Donc, j'espère qu'elle ne sort pas. Il faudra brûler son image. Parce voilà. Que je n'ai pas envie de être soumis. Il faut brûler, voilà. Ouais. Après, tout le monde a compris. Voilà. Nous sommes champions d'Afrique, mais apparemment, on veut nous enlever derrière notre entraîneur. Hein. On dit que Hugo Bros, lui, part déjà donc maintenant en Afrique du Sud, c'est pas le pays là. Hugo Bros, c'est un gars préventif, c'est-à-dire anticipatif. J'allais dire prospectif. Hein, parce qu'il se projette en avance sur ce qui va lui arriver. Tu sais qu'ici, chez nous, quand un entraîneur fait des résultats, on ne le garde jamais. On va le liquider, il va partir. Donc, comme Hugo Broche a vu ça, il a broché l'avenir dans le présent. Il a dit, avant qu'on ne me débroche... Oh, il faut qu'il se broche lui-même, je broche, aller brosser les autres. Voilà, je vais brocher de l'autre côté. Alors, le président du syndicat de tous les marabouts du monde entier, en direct du palais de congrès, bonjour. Bonjour, bonne année, et je tiens à préciser que, spécialement pour promouvoir, le président du syndicat de marabouts a baissé les prix. Au lieu de 1001 francs pour la consultation, je consulte spécialement aujourd'hui à 101 francs. Ça, c'est un cadeau de promoteur. François Ina, vous qui avez l'art de lire dans les courriers, la CEMAC se réunit une fois de plus, juste deux mois après le séjour à Yaoundé, le chef de l'État. Oui, là, voilà, c'est... Non, j'ai déjà lu la question, c'est ça. Deux mois après le sommet qui s'est déroulé récemment ici à Yaoundé, sur haute instruction du président du syndicat de marabouts, vous savez, je suis conseiller mystique du côté de la président de la République. Quand je demande au président de faire quelque chose, immédiatement, il le fait. Et le président du syndicat de marabouts a demandé à M. Obiangema de faire également ce sommet. En quoi consiste le sommet? Le sommet consiste, n'est-ce pas, à voter le budget des marabouts qui vont aller du côté de l'Union européenne représenter toute l'Afrique et faire en sorte que le franc CFA soit multiplié afin que les gens ne puissent plus avoir des difficultés pour venir se consulter sur le marabout. Et il y a les problèmes de 1 franc qui dérange la voilà, on voit facilement les problèmes de 1 franc. Arrête comme ça, c'est comment? Oui, voilà. Le panel est installé. Vous avez remarqué qu'il y a des charmantes dames qui nous entourent aujourd'hui. Il faut tout simplement savoir que quand vous arrivez au stand de Canal International ici à Promote, si vous achetez un décodeur Free Africa, vous repartez à la maison avec une lampe solaire.
une lampe qui charge les micros, les téléphones, ça charge même les cannes. Donc, si vous avez un problème de lumière, donc, c'est une lampe exceptionnelle. On va encore en reparler, mais pour le moment, on va prendre le top des unes. La revue de presse, et je vais m'adresser au professeur Ina. Professeur Ina. Oui, je m'en vais faire la revue de presse. Je m'en vais d'abord. Faites un peu la magie là. J'ancre, on a une petite voiture là. Voilà. Il y a les écrans à l'intérieur, je m'en vais faire ça. Bon, allez faire la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le constatez bel et bien, nous sommes en direct de Promote et c'est le président du syndicat des marabouts, le professeur Ina, qui commence la revue de presse en transition. Nous allons commencer par acheter les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Le courrier du milieu me présente le journal Hot News. Hot News a titré en grand titre. Pour dire à la jeunesse, chacun de vous est une étoile. Pour le Cameroun, il faut oser. Le Cameroun avant. Même vous avez la suite à la page un peu plus bas, ils ont dit promo 2017. Les Italiens barolisent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout. Hey, un peu plus bas, ils ont encore dit région du nord-ouest et sud-ouest. La fête de la jeunesse était belle. Les populations ont rejeté la Mordor. Pardon, le Mordor, pas la Mordor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est tout pour le journal Hot News. Sans transition, nous allons continuer avec. L'épervier, oh l'épervier, l'épervier a tiré en grand tigre. Funérailles de la maman de Chantal Biya, Anate et Bataille, Pac et Anti. Donc, même dans les funérailles, il y a l'anate, il y aura le détournement, ils vont détourner pour les morceaux de porc. Frac ici, autour des préparatifs, pendant que le président du Sénat préside des réunions préparatoires pour la bonne organisation des funérailles de maman Rosaine Boutouan. Certains cadres de la présidente de la République organisent une vaste opération d'arnaque auprès des élus de l'Ouest. Bon, je ne lis plus ça, vous allez voir là, la page 12, vous allez continuer. Un peu plus bas là, au niveau des réseaux sociaux, ils ont dit ministère de la Justice, le personnel méritant honoré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout pour le journal. Les perviers, sans transition, nous allons bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier, voilà. Le courrier va me présenter le journal Mutation. Mutation a muté quoi? Mutation a muté en grand titre, grand titre. Crash d'hélicoptère à Bokam en mission d'enquête. Excusez-moi, je suis habitué avec Bokam, je vois Boko, ça va faire. Sur instruction du chef des armées, le secrétaire d'État à la défense vient de séjourner dans l'extrême nord. Il est question de lucider. Vous allez la suite à la page 13. C'était tout pour le journal Mutation sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec le quotidien émergent. Le quotidien émergent, ça s'y crée en grand titre. Pression des leaders anglophones. L'affaire Paul Aya Abin, bloquée au CED. L'affaire Paul Aya Abin est bloquée au CED. L'avocat général arrêté le 21 janvier dernier. Toujours en exploitation au secrétariat. Vous allez lire la suite à la page. Moi, je dis aux gens que les grèves comme ça ne sont pas bien. Vous voyez, le marabout avait toujours un peu plus balèze. On dit criminel spécial, le ministre au cours de 8 personnes. Ils sont chez moi dans ma petite miracle. Ils n'auront rien. Un peu plus à gauche, on dit Yaoundé, 59 blessés dans un accident impliquant des camions militaires. Parmi ces blessés, des élèves gendarmes qui se rendaient en formation à Futaba. J'ai demandé aux élèves, quand vous avez eu le concours de l'armée, venez vous laver dans la piscine miraculeuse avant d'aller en formation. Ils n'ont pas compris. Le résultat est là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons continuer avec le journal Notre Santé. Notre Santé a titré en grand titre. Paul Biya oublie encore la santé. Comment ça, il a encore oublié la santé? C'est pour que vous venez sur le président du syndicat de Marabout. Comme cela a été le cas le 10 février 2007, le président de la République a évité de parler des questions de la santé. On peut parler donc de quoi, colonisation, l'Indie, l'invasion des. C'était tout pour le journal. Notre santé. Sans question, mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre. Partenariat économique Cameroun-Italie. Du concret, un forum économique entre les deux États organisé à Yaoundé, objectif Nouéva. Mais vous allez lire la suite, Un peu plus bas, ils ont dit. Préoccupation des enseignants anglophones. Le gouvernement explique ses sanctions. Face à la presse lundi dernier, le président du comité interministériel ad hoc est revenu sur les différentes mesures prises pour faire face à la crise
Ngohomu, Paul Mongo. Il m'a registré même d'aller la chose de la page quand la page. Un peu plus encore, ils ont dit violence in Bamen. Yeah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le constatez bel et bien, le Cameroun est un pays bilingue. Le président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue et on va continuer en anglais. Violence in Bamen is stooping the door in the morning. Those arrested still considering chopping after chopping the flower in the palm in the midnight. Speaking at the press conference because my biscuit jump. Furthermore, the Minister of Communication. Excusez. The Minister of Communication. Hey. It's a true man say the kick. Excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous constatez que le président du syndicat de Marabou a la grille lorsque s'agit de dire en anglais. Je préfère même que pas en série de vue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse Continue. Nous sommes en direct de promo 97, 98, 99, 100, 100 commentaires. De la plus d'austérité avec le professeur Yina. Je crois que, voilà. Il est justement en train de revenir de sa revue de presse. Professeur Yina, vraiment professionnel, hein? Le Marabout est quelqu'un de moribulant. Vous savez, la dame de Douala. Le micro. Hein? La dame de Douala est claire. Amot est monté sur la moto avec son Motorola. Ouais. Finalement, et la moto. Chaque c'est qui veut dire que oui. Quand le Marabout inspire quelque chose, il fait tout ça avec parcimonie. Parce que parcimonie, même, c'est mon cousin. Parcimonie, c'est ton cousin. Oh, c'est pas parcimonie, c'est une femme. Il ne faut pas exagérer. This Marabout okay. Is not bilingual. Why would you have Qatar when he's speaking in English? When you don't understand my well English in the chopping the morning in the door in the court, mamie. Good. Voilà, le premier thème, c'est bien sûr la Libye. Ils ont dit que la Libye avait un dictateur à la tête. 6 ans après la révolution, la Libye a déjà certainement la démocratie. Bon, on va analyser. Kegege International, la situation en Libye alors maintenant. Oui, la situation en Libye me rappelle un proverbe étonnant, très connu, qui dit... Chichila, j'aime te chame bon avant ma crève. Et ça renvoie à un autre proverbe français très séculaire qui dit la région du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons monter tout à l'heure. Un agneau s'est déjà altéré dans le courant d'une onde pu. On lui survage qui cherchait aventure et que la fin a ses lieux attirés. Qui te rassit a dit de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. C'est tout. C'est-à-dire que les Libyens ouais. N'ont pas compris que le développement se fait par étapes. Il y a une étape de destruction, il y a une étape de construction et il y a une étape de reconstruction. Et là maintenant c'est... Là maintenant, nous sommes dans une étape de construction. On ne peut après mieux la destruction, alors. Oui, après la destruction. Maintenant, nous sommes en train de reconstruire. Ouais. Et pour reconstruire, il faut de temps en temps redétruire. Et ça va prendre du temps. Et puis, il faut qu'ils se fixent des délais d'émergence. Nous, on a 2035. Eux, c'est peut-être 2345. 2345. Tout ça, Yena. Exactement. À qui a profité l'assassinat? Non. N'ont pas peur de mots. Moi, je n'ai pas peur de mots. Maud, déjà, c'est quelqu'un. Moi, j'ai tapé son fils quand on était jeune. Maud. Donc, au jour d'aujourd'hui, Maud peut rien me faire. Physiquement, je le touche correctement. Donc, la situation qui se déroule en Libye présentement, en tant que président du syndicat de Marabout, le président Mohamed Kadhafi exagérait déjà un peu. Mm-hmm. Vous savez, la Libye était le seul pays au monde et il n'était pas endetté. Les Européens sont venus me voir et m'ont dit président du syndicat de Marabout, est-ce que c'est normal? J'ai dit c'est pas normal. La Libye était le seul pays au monde où, vous voyez, même les chômeurs étaient payés. C'est-à-dire, je connais un grand chômeur qu'on appelle Zambobo. Il part en Libye, il peut construire des villas ici. Donc, la Libye, les Européens sont venus me voir, ils m'ont demandé, président du syndicat de Marabout, est-ce que c'est normal? J'ai dit, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, j'étais conseiller, parce que j'ai démissionné. J'étais conseiller mystique de l'Union Européenne. J'ai demandé qu'il ramasse des avions, qu'il aille bombarder. Afin que la Libye soit détruite, qu'ils prennent même un drone, ils pilonnent Kadhafi, ils tuent comme le rat. Et ils prennent le coin et commencent à faire Jo. Ça, c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Vision. Exactement. C'est ce qu'on appelle. Les droits de l'homme. Oui, c'est ça les droits de l'homme. Et en tant que président du syndicat de Marabout, j'ai veillé à ce que tout cela soit fait avec efficience, manigance, monicance et efficience.
Ce qui fait que le président du syndicat de Mahabou remercie aujourd'hui l'Union européenne et encourage la Libye à continuer à être divisée en deux, un gouvernement au nord, un gouvernement au sud, et ils vont atteindre l'émergence à l'horizon. 2345. Oui, cela permet comme ça d'évoluer, de travailler, de mettre les structures en place. Quelle lecture? Le pétrole libyen, c'est ça qui attire beaucoup de... il a quand même il y a des dérogations spéciales. Ce matin, il a quand même tenu à être là. Professeur Mendoza, allez-y. Ne faites pas attention à ces gens d'attaque là. Je tiens d'abord à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Tour. Comme vous le savez, quand je sors de ma maison pour une émission comme celle-ci, je me prépare en conséquence. En ce qui concerne la Libye, ils ont voulu la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont voulu une sorte d'indépendance. Et maintenant, ils doivent en subir l'indépendance. Parce que quand vous arrivez maintenant dans ce pays qui est un pays d'accueil, il y a de cela 10 ans, 15 ans, on ne reconnaît plus. C'est pour ça qu'on dit toujours un malin et demi. Ils ont voulu dire que Muammar Kadhafi est un dictateur. C'est quelqu'un qui ne mérite pas rester. Aujourd'hui, je pense qu'on m'a dit le Congrès international, l'émergence, parce que la nôtre, c'est pour 2035. Mais eux, ils sont même modestes. Ça peut être à 3035. Parce que quand vous regardez maintenant ce qui se passe en Libye, mieux vaut encore on reste au Cameroun. Parce que ça fait peur. Ça stigmate. Ils doivent implorer la Vierge Marie. Parce que sans la Vierge Marie, il ne peut pas avoir de paix dans ce pays. Toi, tu vas créer un incident diplomatique ici. Monsieur Mbouta, monsieur Mbouta. Toi, tu vois Mahomet, la Vierge Marie. Monsieur Mbouta, monsieur Mbouta, que ce soit Mohamed, que ce soit Jésus-Christ, tout se passe par l'incarnation de la Vierge Marie. C'est pour ça que s'ils ont la chance de chanter Mbambassaï, comme nous avons fait pour la première dame, la paix va revenir. Faites l'exemple, vous allez me dire. Merci. Oh boy, la Libye, l'eau, la santé, l'école, tout était gratuit. On a dit que le dictateur là doit partir. Maintenant donc la démocratie est venue. Là-bas, la guerre, encore la guerre. Permit me to start by a proverb of the northwest region of Cameroon. I want to follow Gege International. There is this proverb in my country, in Bamenda, that says... Iya tamanjong kunga fuma, iya mawu mawu, oh iya. We'll do the translation in the next edition. So, no, I am okay. Yes, I have a bit of malaria. What I will say is that Libya is a country, would you imagine, in a couple of years ago when this man was alive? I will play aeroplane, Khmer Airline. I will go there and charge my phone. Today, Libyans are coming here to charge their phones. So it's very complicated. You thought of so many concepts. I think Libya is going through this concept of confusion. Yes. When you see emergence by 2000 or 3000 something, yes. I see it in the next two centuries. My people, please start coming to Cameroon. We have land in Bamenda and land in Basso. We have enough land. We'll give them land. Yes. There is no confusion. There is no confusion. Yes. There is democracy. You cannot get any democracy without terrible and destruction. Yes. I am very happy with Gege. Okay. Yes. Because you are very happy with Gege. Because en français facile. I'm very hungry with Kegege. En français facile, c'est quoi? Je suis d'accord avec Kegege. Il n'y a pas de démocratie sans confusion. On va conclure sur le premier thème. Trouble. Kegege international. In English. La conclusion. Conclusion. Muammar Kadhafi wanted to kiss people. C'est-à-dire, Muammar Kadhafi voulait tuer les gens. Et les gens ont donc vu que, comme il tue les gens en leur donnant à manger, c'est-à-dire, il voulait tuer les gens avec le bien-être, avec le bonheur, avec la santé. Ça, ce n'était pas normal pour une société africaine. On lui a donc dit que, now you are going to kill them. C'est-à-dire, il faut plutôt les embrasser. Voilà. Et il les embrasse maintenant, étant un fantôme. C'est pour ça que vous voyez comment les gens s'embrassent là-bas avec les armes, ils se poignardent, parce que c'est ça la communion fraternelle en démocratie. On se poignarde, on se tue et on se retrouve chez les fantômes pour manger à la même table. Et pour fumer le calumet de la paix. Le calumet de la mort, de la paix. Bon, président Ayinma. Exactement. Je voulais rapidement conclure, en tant que président du syndicat de Mahabou, rassurer à tous les Libyens que vous allez faire la guerre. Vous allez faire la guerre parce que qui prépare la tempête sème le vent. Et voilà. Comme dit cet adage, j'ai fait tout
pour faire disparaître Kourmamis International du côté de la Libye. Donc vous n'allez pas entendre que Kourmamis International a fait agresser un rapport, que les gens sont en train de s'enquêter et il y a les gens qui volent le pétrole à gauche, il y a les gens qui volent le pétrole à gauche. Ça, c'est grâce au président du syndicat de Marabout. J'invite donc les Libyens, spécialement pour vous, venez à promote, je vous fais la consultation à 101 francs et le reste, même vous allez décider. Professeur Mendoza. Non, ce que je peux dire à mes frères Libyens, c'est qu'ils doivent être sereins. Ils ont décidé de chasser Kadhafi, ils doivent en subir. Pendant que nous, on vit la paix, et maintenant, c'est les rats qui mangent. À la faute à qui? 6 ans après. S'ils avaient consulté la Sainte Vierge Marie, je pense qu'ils ne devaient pas avoir la guerre dans ce pays. La preuve, M. Mbouta, étant ici, du Cameroun pour la Libye, vous ne ressentez pas qu'il y a une différence? Parce que notre mégeance, on la ressent maintenant. Et pour eux, est-ce qu'on n'y même derrière l'odeur? Je ne crois pas. Oh boy. Yes. I want to conclude by saying that... Vous pouvez aussi conclure en français, hein? Yes. I will conclude en disant that the Libyans should arrêter le cœur. C'est le français renforcé. Yes, they should arrêter le cœur. They should tie heart because, like they say in Bamenda, you go time, you know, one day, go losing. One day, one day, thing, they go change. Yeah, mais avant de partir, je voudrais demander comme ça, professeur Gervais Mendoza, j'ai entendu que vous avez organisé une chorale, un concert pénitentiaire. I want to be a part of the choir. What can I do? Please, have a nice voice. Voilà. Je pense que si tu veux suivre ce concert, tu connais où me retrouver. Okay. Ça n'est pas ici à Canal 3. Donc, ça veut donc dire qu'il faut qu'ils viennent absolument en prison? Dans mon domicile. Dans votre domicile? Oui. Très bien. Okay. Alors, on va prendre le coup de gueule, je ne sais pas, avec bien sûr la technique. Si on peut prendre en direct, Big Rouge pour le coup de gueule en direct de Bertois. Nous on fait les directs partout, on est au palais de congrès, on a Bertois, on est partout. Est-ce que Big Rouge est déjà positionné? Même Bertois au palais des sports, on fait les directs. Vous voyez que je n'étais pas encore à l'antenne, mais comme vous constatez, je suis revenu à Bertois, capitale régionale de la région de l'Est. C'est pour l'inauguration de cette laverie unique au monde qui ressemble comme ça à des voitures terrestres et amphibiennes. Les voitures qui peuvent rouler sur terre comme dans l'eau comme sur terre. Ici, on lave tout. Les brouettes, les pousses, les vélos, les motos, les voitures, tout ce qui est lavable. Ici, mais on est en train de prévoir un parking pour laver les hélicoptères et les Boeing. Vous constatez donc que cette laverie est ultra moderne pour le développement de cette région. Nous allons parler comme ça le point de vue des ingénieurs qui sont chargés de nettoyer tous ces véhicules et tous ces engins qui arrivent ici. Et je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Nous constatons que vous avez la laverie unique au monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette laverie? Par rapport à cette laverie, ce qu'on va vous dire, comme vous voyez chaque jour, c'est par ici que nous, on se débrouille et on trouve notre pain tranquillement et paisiblement. Sans ne pas avoir des yeux un peu pour regarder ce que certaines personnes font dans la vie. On se contente de trouver notre pain chaque jour ici. Est-ce que vous avez des difficultés? Ah, il y a des difficultés par rapport à que, bon, vous savez que tout un travail a des difficultés. Oui. La laverie, les gens pensent que c'est un travail facile, c'est pas aussi facile parce qu'il faut s'appliquer aussi et connaître le métier. Et il faut être fier d'abord de faire ce métier pour vraiment trouver son pain quotidien. Puisque c'est pas n'importe qui peut se lever un beau jour et commencer seulement à venir laver les véhicules, puisqu'on apprend d'abord aussi à laver ses véhicules. Ok, donc il faut d'abord une formation. Oui, il faut une formation. D'accord. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour mon beau. Vous avez une laverie unique au monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Par rapport à la laverie Lelengue, c'est une laverie qui descend peut-être depuis le décennie, gars. Génération en génération, gars. Donc, cette laverie que vous voyez là aide beaucoup les familles. Gars. Ça sauve les orphelins. Gars. Comme moi, comme ça, là, je suis orphelin des pères. Gars. Cette laverie m'aide à garder ma petite famille à la maison. Gars. Je paie mon loyer, je paie mon câble. Donc, cette laverie m'aide beaucoup. Gars. Ah bon? Oui, oui. Donc, si on décide de fermer ça, tu n'es pas content? Je ne serai pas content parce que je ne sais pas ce que je veux faire encore. Oh, mais la laverie actuellement, c'est là. Parce que cette laverie, c'est là, je ne vous manque pas. Ça aide beaucoup des familles. Gars. Donc, plusieurs quartiers, Bangvel et Nkoubikon. Cette laverie est entre deux quartiers différents, quartier Bangvel et quartier Koubikon. Donc, okay. Cette laverie nous aide parfaitement. Gars. Merci mon gars. Ouais, ouais.
Nous remercions une fois de plus l'État, parce que tel que vous le voyez là, ils ont eu l'idée de créativité, de créer vraiment des trucs là où on peut vraiment manger. Chacun peut se lever le matin, chercher son pain quotidien. Un seul mot, on ne peut que leur dire merci et de garder la même voix. Tu constates donc que nous devons féliciter l'État parce qu'ils ont encore créé une nouvelle société pour l'emploi des jeunes. Et vous constatez que ces jeunes se donnent à cœur joie parce qu'ils sont là, sous le soleil, sous la pluie, pour montrer de leur bravoure par rapport à leur métier. Comme le dit un adage chez nous, si tu ne transpires pas dans la jeunesse, tu vas mendier dans la vieillesse. Alors, ces jeunes se donnent à cœur joie pour que ces véhicules soient entretenus. Et je tiens aussi à vous dire que pour être ingénieur en laverie, il faut suivre une formation. Ces jeunes ont été tous formés, voilà pourquoi ils ont été employés par l'État. C'est un Big Rouge depuis Bertois pour Comédie Presse. Je vous renvoie l'antenne. Voilà, il faut être Big Rouge pour aller dans les fins fonds des villages, trouver les ingénieurs en laverie qui sont employés par l'État. Merci à toi, Big Rouge. On va prendre maintenant le deuxième thème et on va commencer à dire tout simplement merci à monsieur le délégué du gouvernement qui est là. Le deuxième thème, c'est Cameroun, où est passé Cameroun Promo 2017, le Cameroun berceau du business. Et bien sûr, on est ici en direct de Promo. Monsieur le délégué du gouvernement, un autre succès. Vous savez que tous les événements qui viennent dans la ville de Yaoundé, c'est une aucune aubaine pour dire d'abord bienvenue à toutes les populations, à tous les exposants ici à la fois Promote. Je voulais leur rappeler que nous n'allons pas envoyer les potelins pour casser la maison ou alors saboter les voitures. Non, nous pouvons seulement leur souhaiter un bon séjour ici à Promote. Si vous savez que le Cameroun, pour atteindre son émergence, nous devons, de manière générale, travailler en synergie. Et si Promote a décidé de rendre l'opération économique très fiable, c'est normal que les populations de Yaoundé deviennent nombreuses. Et puis, je voulais leur rappeler que nous avons mis à leur disposition tous les moyens possibles, même les déplacements sont gratuits. C'est pour vous dire que la communauté urbaine de Yaoundé sont de tout cas avec Promote. Et je pense que dans toute la sous-région de la CEMAC, en tant que premier magistrat de la ville, nous pouvons que leur souhaiter la bienvenue ici à Promote et qu'ils ne doivent pas avoir peur. Parce qu'on ne va pas casser la maison. Il faut mettre un sabot. Non, ça ne veut pas dire que les gens doivent mal garer. Parce que si vous garez mal, nous allons réagir de la manière la plus forte. Promote n'est pas là pour encourager le désordre. Promote est aussi là pour faire rendre le Camerounais et tous ceux qui viennent à la fois d'être très sérieux. Président Aïna, business encore à Promote. Les collègues n'avaient pas prévu certainement. Oui, en tant que président du syndicat de Marabout, je suis quelqu'un qui est appelé à travailler un peu de partout. Vous allez vous rendre par exemple compte que j'ai été consulté par le directeur général de Canal 2, par exemple, parce que je suis conseiller mystique du directeur général de Canal 2, M. Eric Focho. Et il m'a demandé, président du syndicat de Marabout, qu'est-ce qu'il faut faire pour Promote. Je lui ai dit, comprends pourquoi les images sont souvent brouillées chez moi. Oui, c'est moi. Je lui ai dit, monsieur le directeur, il faut mettre une promotion. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a Free Africa. Free Africa, Free Africa voilà. Qui est là. Vous achetez un décodeur. Vous avez une lampe. Et on vous donne. Une lampe solaire. On vous donne une fille gratuite. Une fille gratuite, oui. Qui vous accompagne à la maison. Installez le décodeur et installez non, aussi. La fille n'installe pas. Ah. On vous donne la fille gratuite. Elle-même s'installe aussi. La fille passe installée. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de. C'est le monde du business. Oui, c'est le business. Donc, vous allez voir comment vous comptez. Faites comme. Appelez le président du syndicat de Marabout. Il va vous donner des stratégies. Comme les stratégies que j'ai, n'est-ce pas, prêtées au DG de Canal. Au DG de Canal. Je profite pour dire aussi qu'à Promote, le Marabout. Spécialement pour vous. Je l'ai dit, n'est-ce pas, à l'entame de cette émission, je consulte à 101 francs. Ouais. Oui, je consulte à 101 francs. Et Mbouta, tu vois, par rapport à ce que vous êtes en train de parler de Free Africa,
Hein? C'est une volonté de la communauté. Ben, la preuve, même les filles qui sont derrière, quand ils vont vous aller installer ce que vous avez cité nommément, les filles s'installent et puis la communauté urbaine fait le reste. C'est ça. C'est-à-dire que la communauté urbaine s'arrange à mettre les bagues et tout le reste. Exactement. Kegege international. Kegege. L'économie alors. Moi, je suis un peu troublé. Voilà. Franchement, je suis même courouché. Parce qu'il y a un proverbe fulbé qui dit Tobosharu ngati koshtema anbo angata hundukomako halatimikam. C'est-à-dire, il y a des choses qui manquent ici à promettre. Ce proverbe dit que quand tu veux te faire voir, il faut te faire voir jusqu'au dernier cheveu. Je ne comprends pas. On a dit que les gens viennent se faire voir à promettre. Je ne vois pas le stand de la politique. Hein? Il n'y a aucun stand pour les partis politiques. Alors que ces gens-là viennent toujours nous casser la tête avec les discours. Maintenant, je voudrais qu'il y ait un stand où on nous apprend à bien mentir, à bien préparer les élections dans les manies de Makero. C'est le business, hein, c'est l'économie, c'est pas la politique. La politique, c'est le business. Et puis, il y a aussi, je ne vois pas le stand de certaines églises. Oui, exactement. Oui, parce qu'il y a un business que je vois souvent à la télévision où on racle le vent, les gens tombent par terre, où on souffle dans le ciel les esprits. Vous, dès qu'on fait vous, vous voyez comment les cabas de femmes se soulèvent comme ça. Le caméraman ne tombe jamais. Mais oui, le caméraman ne peut pas tomber. Parce qu'il est dans le business. Et on vous dit, on demande par la suite de donner de la dîme. Oui, ça c'est le business. Je ne vois pas le stand de l'Église. Et il y a un autre stand que je ne vois pas, c'est le stand de la sorcellerie. Hein? Parce que la sorcellerie est un business. Il faut que les sorciers africains viennent exposer. Parce qu'on les retrouve de plus en plus sur les toitures. Je veux pas embrayer, n'est-ce pas, c'est que tu es en break, quoi. Est-ce qu'il y a une voiture ici? Tu n'as même plus raison. I will kiss you. Ouais, je n'ai pas raison. Où est le stand? Où est le stand? Le stand de marabout. Vous demandez de l'argent pour la situation. Il faut travailler avec les sorciers. Travailler avec les sorciers. Ils vont vous dire comment. Il y a le stand de marabout. Et il y a le stand de président du syndicat de marabout est représenté ici. Si le Kéré ne parlait pas actuellement, tu ne vas pas parler de ce stand. Il y a des stands qui manquent ici, et c'est ça qui... Moi, je suis passé à Minifem, À Minifem. Mais elles sont fâchées. C'est l'un des seuls business qui ne sont pas représentés à promouvoir. Mais si on va encourager le business... Elles-mêmes ne peuvent pas faire business. Là-bas, c'est quel business? La vente de ce que nous avons du plaisir. Voilà. C'est ça, non? Très bien. Qui connaît. Mais lui, il a dit, il a parlé. Je voulais en parler. Et la banque des préservatifs aussi, je n'ai pas vu ça. C'est un vieux qui m'énerve parce qu'il est en caractère. Kegege n'est pas vieux. Il est en caractère. Il n'a pas encore 77 ans. Kuntashia, si je suis épaulé comme ça, c'est Kuntashia qui m'a élevé au grade de général sentimental de son cœur. C'est vrai. Donc, si tu m'appelles Gé. Voilà. Je peux te lancer les cheveux blancs histoire, et tu vas te travailler. Voilà, avant que tu ne suives, je bloque. Avant que tu ne suives, quel est ton problème? Je bloque. Voilà. Hein? Pour la petite histoire, Kuntash vient d'envoyer sa représentante juste derrière parce que lors du début de l'émission, comme Kuntash a vu, on a envoyé une émissaire. Parce que l'enfant qui est derrière moi là m'inquiète. Kuntash a dit à sa fille, va surveiller. Parce qu'il faut que l'homme là me revienne entier ici. Là. Très bien. Bon, allez-y pour ça, Ira. Je voulais préciser que le stand de Marabout est bel et bien représenté ici à Promote. C'est une preuve que le Marabout, je vous annonce d'ailleurs qu'on va défiler le 20 mai, et ça c'était entre parenthèses, le président du syndicat de Marabout est en train de tout mettre en œuvre pour que les Marabouts puissent être... je prends également les stages, les Maraboutons qui veulent faire le stage présentement. Le stage est gratuit. Quand vous venez vous inscrire ici à Promote, si vous avez le problème d'argent, vous dormez affamé. Venez tout simplement vous consulter dans notre stand ici, dans notre stand à Promote. Vous rentrez, vous allez trouver le poulet présé dans votre marmite, oui. Vous allez trouver le pangolin, vous allez trouver la biche, le plantain, le manioc, sera plein. Juste après consultation. Après consultation, tout simplement. Ça, c'est ça. Mais il faut prévoir la pièce de 1 franc. On va conclure sur ce thème. Je vais commencer par monsieur le délégué du gouvernement. Comme je disais, Yaoundé. Non, la ville de Yaoundé est une ville d'accueil. Et puis, nous ne pouvons que souhaiter un bon séjour à tous les exposants et à tous les visiteurs ici à Promote. Et vous savez que Canal 2 International, c'est une chaîne qui monte et qui monte et qui monte et qui démontre que, à suffisance que
Elle peut faire tout ce que les téléspectateurs veulent, la preuve même ici. Le délégué à quoi il voit là-dedans? À Comédie Presse, s'il n'y avait pas une volonté du délégué que je suis, vous ne devez pas, vous devez pas diffuser cette émission en direct. Si alors vous amusez, je demande à payer le pot de vin, on casse toutes les caméras et puis on voit encore si en direct on regarde Comédie Presse. Bon, nous ne pouvons que souhaiter un bon séjour à tous les exposants et de temps en temps visiter aussi le centre de la communauté urbaine de Yaoundé. Oh, oh boy, a parlé du nourri à Yaoundé, qu'est-ce que c'est? Parce que là-bas, quand vous arrivez le soir, il y a beaucoup de filles à lien comme ça. Pourquoi ne partez pas rappeler toutes les filles là? Mais est-ce que vous croyez qu'être délégué du gouvernement, c'est de faire le travail une fois? Ça prend le temps. On ne parle pas de promote, on ne parle pas de la rue dont vous parlez. Bon, qu'on va revenir par rapport à cela. Monsieur le vous n'allez pas monopoliser la parole. Très bien. Vous n'allez pas monopoliser la parole. Je parle comme ça, il a conclué. Vous brûlez l'envie de dire quelque chose. Je ne brûle pas envie de dire quelque chose. C'est quelque chose qui brûle envie de me dire. En tant que président du syndicat de Marabout, je réintègre toute ma volonté à suivre l'exemple, n'est-ce pas, des responsables de Free Africa qui ont accepter le conseil du président du syndicat des marabouts, un décodeur acheté, une lampe solaire offerte, voilà. Et une fille emportée gratuitement qui va également s'installer. Chapelle de gouvernement de l'acheteur aura droit aux avantages de toute nature. C'est une politique commerciale que le président du syndicat a recommandé. Au président du syndicat, tu parles même modérateur, tu parles, tu me donnes un peu, tu reprends. Demande. Donc vous avez conformément. Vous savez quel est le problème? Le problème est toujours ça. Voilà. Et c'est pourquoi ce proverbe allemand est clair. Die Chèvren brüten in die Attachen. C'est-à-dire que. Die Chèvren brüten in die Attachen. Quelqu'un international, vous n'avez pas fait peut-être allemand, mais vous pouvez nous interpréter ça en concluant. Non, moi les interprétations de proverbes de sorcellerie, je ne suis pas dedans. Je risque d'avoir des cauchemars. Parce qu'il y a un proverbe bamois qui dit « Rim, Aziem, Afion, Anon, Adibime, Akun, Abidjishike, Onobiono, Arbama, Eva, Arinka, Andon. » C'est-à-dire, en un mot, pour tout dire, en somme et en définitive. Pour tout dire. Ici à Promote, il me manque des choses. Parce que quand on parle de business, je ne vois pas la gastronomie des jetons. Parce que les Européens vont partir d'ici sans avoir goûté aux chenilles poilues. Ils diront qu'ils ont fait quoi au Cameroun, hein? Les chenilles poilues. Quand un homme ne les mange pas, comment est-ce qu'il va éviter la calvitie? Je vois des choses ici, là, les gens mangent des les cuisses de grenouilles et tout ça, mais pourquoi on ne mange pas les chenilles poilues, hein? Il n'y a pas les pirguejons, il n'y a pas le maquois. Le Congo mythe. Mais je ne sais pas, si on parle de business, il faut surtout encourager la gastronomie touristique. Le business gastronomique. Oui, que je ne vois pas. Et c'est ça qui me chagrine un peu. Parce que Kuntia, ça pouvait exposer tout ça. Okay. Mais il fallait payer trop d'argent. Merci. Mesdames, messieurs, on va dire bonjour à monsieur Kamdem du cabaret Mercure. On dit également bonjour à monsieur Elimbi qui nous regarde. On prend un très court instant et on va prendre le troisième thème. Ne zappez surtout pas, c'est comme je dis. Voilà. Le troisième thème, c'est vrai, concerne beaucoup de personnes parce qu'il s'agit du football. On est champion d'Afrique. Mais le championnat camerounais, lui, il est à quel niveau? Président Ayina, je préfère commencer par vous. Le championnat, 3 mois après, les gars sont au quartier. Oui, il est question de... Les footballeurs travaillent beaucoup. Je suis conseiller mystique à la FECAFOOT. Oui, j'ai demandé au président Tombi d'aller d'abord à la Coupe d'Afrique, remporter le trophée. Et ensuite, nous allons venir... Pendant que les Lions sont en train de faire le tour des 10 régions, il faut que les footballeurs des équipes aussi essaient de chercher les petites filles, essaient de faire un peu de chantier pour avoir de l'argent. Vous savez, le footballeur, c'est quelqu'un qui ne consulte pas régulièrement le marabout. Et j'ai décidé qu'ils vont faire 1 an. Donc le championnat va reprendre dès que les footballeurs viennent donner la dîme du président du syndicat de marabout. Et je profite pour dire aux footballeurs,
vous allez recommencer le championnat après près de 4 mois de repos. J'espère que vous allez comprendre que grâce au président Sénégal Mabou, tout est capable. Et comme dit cet adage, pygmé. Qui veut tout simplement dire que... Ça, c'est un adage matakam. Faut pas mélanger les choses. C'est matakam. Faut pas mélanger les adages. Matakam. Vraiment, vous me touchez. Ok, Gégé International. L'affaire du foot, c'est commencé au Cameroun. Dans la lecture, on dit pourboël. Dans le pourboël. Ouais, dans le pourboël. Parce que quand je regarde le championnat camerounais, j'ai tout de suite envie de revenir à ce proverbe Bamoun qui dit Mishashu Ungwea Matilabuko Yankwet. C'est-à-dire que le football ne peut pas se développer s'il ne développe pas des gens comme nous qui applaudissons chaque jour. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de prime de spectateurs dans le championnat camerounais. Mm-hmm. C'est pour ça que ce championnat va dormir pendant au moins 7 mois. Et puis je vais vous dire une chose. Après avoir gagné une CAN, le championnat même sert encore à quoi? Voilà. On fait quoi? Mais maintenant, il faut que les gars jouent dans les quartiers en attendant la prochaine CAN. On va les recruter dans les quartiers. On les envoie seulement dans les stades. Ils nous gagnent la prochaine CAN. Le championnat, d'abord, le championnat se joue avec les stades vides. Non, ça ne sert même à rien, faut qu'on ferme même ça et on attend les cannes. Les gars jouaient dans les stades de Caillou. Hein? Ils sont allés au Mondial en 90. Ils ont failli gagner si les faux marabouts comme ça ne les avaient pas trompés. Hey! Donc, qu'on laisse les gars jouer les interquartiers. Ils jouent les interquartiers pendant toute l'année. On les recrute, ils jouent la canne, ils gagnent la canne. Et après, ils vont au Mondial. Ils gagnent le Mondial parce que le championnat fatigue les enfants. Quand ils viennent du Mondial, ils restent au quartier. Et puis, tu sais, Mbouta. Avec les millions qu'on a donnés aux enfants là, toi tu vois qui est encore en train de jouer au championnat où on n'a même pas de quoi payer le taxi. Les gars attendent maintenant la CAN où on va donner les 100 millions, les 25 millions, et viennent nous distribuer aussi ici. Parce que le championnat, les gars jouent là, ils boivent l'eau des sachets où on ne sait même pas si c'est filtré. Hein? Donc c'est ça qui crée des problèmes au championnat. Okay. Donc on est encore en train d'étudier les stratégies pour que les gars au moins, qu'ils aient au moins de l'eau pendant les entraînements. Bon, s'il y a championnat blanc, c'est bien, les enfants pourront se reposer pour gagner la canne. Très What bien. Is your name? Quel est même ton problème avec le championnat? Excellence Roger Mila, à votre époque, on ne mettait pas Camon aussi long avant de jouer. Mais je pense que vous avez confirmé ce que le Kegé disait. Nous sommes en plein air. Puis, ce qui est sûr et certain, c'est que le championnat va reprendre la preuve. L'autre jour, le ministre des Sports convoqué réunion entre l'Afrique Foot, le MINSEP et la Ligue professionnelle de football pour que ce championnat essaie de démarrer. Je pense qu'il faut prendre votre mal en patience. On venait quand même démarrer une année. Vous ne pouvez pas commencer à critiquer. Et on a gagné la CAN. Mais attends, Boutaï, qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? Non, excellence, allez-y. Voilà. Allez-y. Je pense que peut-être ça ne pas qu'on soit plus invité de l'émission quand nous on est là. Voilà, le championnat va démarrer, prenez votre mal en passant. Parce que moi-même, vous avez vu quand je suis descendu là-bas au Gabon, j'ai dit aux joueurs que les joueurs, vous êtes les petits frères, le président Paul Biya attend la coupe, alors mouiller le maillot. Alors qu'on va aussi dire à la Ligue professionnelle comme l'Afrique Foot que détendez mouiller le maillot, ils vont mouiller le maillot. Est-ce qu'il y a une coupe? Things are going to change eventually. We thank God they have caught. Tambay was five my brother from Basso. Yes, my brother. Massa, if they already come in the national team, yes. We don't have a problem. If the championnat starts in Bamenda, we don't care. It doesn't start in Boya. No, remember Bamenda over here. Remember Bamenda. Remember Bamenda over here. It's not that Bamenda over here. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez. On est les championnats là. C'est vrai que Bamenda n'est pas le championnat. J'ai dit l'anglais. J'ai dit que tu l'as dit. Bamenda comme à Boya, comme à Limbe, il est le championnat. Il y a déjà le championnat à la télévision. Vous avez suivi quoi? Vous voulez avoir le championnat? Qu'est-ce qu'il a dit en anglais? Il vient de dire que le meilleur gardien du prochain championnat sortira de Bamenda.
C'est pas ce que vous avez dit. Non, Bouké n'a toujours pas le championnat Bamenda. C'est ça. Il faut savoir que le Bamenda sur le Cameroun, il y a le championnat là-bas. Même à Libé, même à Moliko, tout à Kumba, partout, il y a le championnat. C'est que sur le pays, prenez votre mal à passer, pas le championnat. Monsieur l'ambassadeur, vous prenez votre mal à passer. Parce qu'il a dit que j'explique ce que mon collègue, nous sommes bilingues. Ah oui. Vous n'êtes pas bilingue. Très bien. You are not comprehending English. Ok. C'est vrai que moi, international. Ok. Je suis en train de te penser. Il y a un proverbe. Il a même fui de ma tête. C'est-à-dire, parce que le proverbe là dit que quand vous avez le meilleur, il faut lécher le médiocre. Maintenant, quand j'ouvre la télé, je vois les gars qui jouent au foot comme la PlayStation. Ils marquent les buts, même en regardant devant, ils ne marquent pas derrière. Quand vous voyez les choses comme ça, vous vous demandez, mais je vais encore aller chercher quel championnat? Il y a déjà le championnat à la télévision. Voilà. Donc on doit laisser les autres championnats. On a la chance d'avoir le ministre Bidoumpa. Monsieur le ministre, est-ce que véritablement notre championnat est donc professionnel? Parce que lui, il a dit là, les sachets d'eau, le terrain et tout. Voilà. Monsieur le ministre. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État et madame la cheftaine de l'État qui a permis qu'aujourd'hui nous sommes en direct de Canal 2 pour certifier avec assurance et dévouement qu'à partir d'aujourd'hui déjà, vous le savez si bien que nous avons lancé la journée de l'éducation physique pour dire que la première dame, chef de l'État, qui a voulu bien que, comme vous le savez, que ce championnat ait bien lieu. Et je vous rassure, je vous le dis en toute sérénité, qu'il y aura bien championnat. La preuve, vous avez cru que nos fameux lions indomptables qui ont dominé avec maestria l'Égypte ont les mains le trophée de la Coupe d'Afrique. Et je pense que pour ce championnat qui se veut un peu en retard, va et aura vraiment spontanément lieu. Monsieur le modérateur, je voulais rapidement dire à monsieur le ministre, il n'est pas bon de mentir en public. Oui. Les lions indomptables ont gagné, il n'y avait pas de magistrat. Quand ils disent qu'ils ont gagné avec magistrat, il n'y avait aucun magistrat dans tous les lions indomptables. Il y avait une mamie de sauce. Voilà. Yes. Il faut préciser. Il y avait une mamie de sauce. Il n'y avait pas de magistrat. Monsieur le modérateur, je pense que je répète mes mots que les lions indomptables. Donc, grâce à l'inspiration de notre prestigieux chef, le chef de l'État et sa prestigieuse épouse, madame la cheftaine de l'État, a bien voulu que nous gagnions avec maestria cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Là maintenant, j'ai compris. Maestra, pas magistrat. Avec maestra. Les marabouts choisissent les autres, ils se choisissent. Il faut te mettre la purée de manioc dans les oreilles. Mahitia, pour comprendre ce que les gens. Mahitia et maestra, c'est on dit on dit matria, toi tu entends magistrat. Faut pas exagérer. On va conclure l'émission, on va conclure également sur le thème. Je voulais rapidement préciser quelque chose qui est vraiment very important. C'est-à-dire compliqué. Voilà. Mmh. À l'époque, j'ai dit au Crofortan, de manière Mozambique, avant tout début de championnat, les dirigeants venaient voir le président du syndicat de Marabout. Je demandais qu'on égorge les bœufs pour faire des petits sacrifices afin que mes esprits puissent bien manger, qu'on offre les lions dans les kitoko aux esprits avec quelques petits casiers de bière. Mais aujourd'hui, le ministre d'abord est devenu chiche. Et l'Afrique Foot, ils sont chiche. Les esprits sont mécontents. Vous allez vous rendre compte que quand le championnat va même commencer, la pluie qu'il va faire abattre, le terrain sera immergé et va atteindre l'émergence jusqu'au milieu. Pourquoi on n'arrête pas les gens comme ça pour aller les fouetter? Je ne comprends même pas. Il n'y a pas la police dans ce pays. Ça c'est la filouterie. Ça c'est de la filouterie. Comment ça? Things are going to change. Yes, my friend. But I hope the championnat will play in Bamenda and Boya, because if Bamenda and Boya is okay, Cameroon is okay. Yes. Voilà. Yes. Très bien. Kegege international. Kegege. L'avenir est quand même certain. L'avenir est en 2035. C'est-à-dire d'ici là, si tu trouves des chenilles poilues à manger, mange-les. Si tu trouves le héros, mange-les. Le Congo Miss. Si tu trouves le Congo Miss, mange-les. Mais si tu trouves Kunta sur ton chemin, n'y touche pas. Parce que là, I am a very hungry man. Je deviens un fou furieux. Et je voudrais saluer
la plus belle femme Yemichem, qu'on appelle Géonavi Elvi, à qui je dis Kunta, you are very beautiful. Kunta va lui faire la guerre. Oh, Kunta, c'est assez sacro. Je parle là comme les étudiants. This woman is her corpse. Yes. C'est-à-dire que les deux s'entendent comme le marabout et le pasteur. Oui. Oui. Et c'est pour ça que je lui dis. Mon ami français qui est du côté de l'île de la Réunion, monsieur Yves Le Crapaud, avec son frère Mince la Grenouille et Francine la Carotte, ce sont des blancs. Très bien. Oui. Sans oublier la grande comédienne Solange Bissaki, qui nous a rendu visite ce matin. C'est une émission dédicace. Bon, c'est une émission dédicace. Nous, salut Parfait Zambo, salut Jean Mahmoud Ali, salut à Eric Anto, salut à tous les techniciens de Canal 2 et salut à moi-même. Salut à moi-même aussi. Puisque c'est une émission de salutation, on est en train de salut au président Bokungu. Ok, on ne vient pas saluer ces grands salutations. Ça devient un peu sérieux. Okay, voilà. Mais, monsieur le ministre du Sport, oui. Éducation physique, bon, on peut tout simplement conclure que le championnat va commencer et que tout est bien. Je vous rassure, je vous donne l'assurance parfaite qu'il y aura bien championnat. Prenez votre mal en patience. Mais avant de conclure, je voulais vous donner rendez-vous tout à l'heure. Vous savez que nous avons lancé la journée d'éducation physique dont Comédie Presse doit prêcher par l'exemple. Et je vous rassure que le ministère des Sports et Éducation sexuelle, physique pardon, est déterminé à ce que tous les Camerounais et les Camerounaises font du sport. Sous je vous en remercie. L'éducation, quoi? Le président, notre prestigieux chef, le président Paul Biya. Non, monsieur le ministre, laissez d'abord le président en paix. Il est parti de l'État. Il a bien voulu que tout se passe dans les normes. L'éducation, voilà. Quoi? Merci, merci à vous. Alors, tenez un peu, mademoiselle, je voudrais bien qu'on tienne ça. Ça, c'est les décodeurs, le décodeur Free Africa. Voilà, maison. Venez ici au stand de Canal 2 International, ici à Promote. C'est petit agencement comme ça. Dès que vous achetez ça, ce décodeur-ci, on vous offre cette grande et lumineuse lampe avec un joli sourire que cette dame-ci est en train de... Ah, ne touche pas. Vous voulez me créer des problèmes avec Kunta? Eh bien, vous aurez les images à la maison, vous aurez la bonne télévision et vous aurez Canal d'Internet. Vous voulez me créer des problèmes? Merci de nous avoir... Non, avant, dis merci. Il y a quelque chose que vous voulez dire. Tu remercies comment? Il veut mettre les choses claires. Tu remercies déjà. Parce que quand Kégué parle, il ne faut pas qu'il me manque à cause à Kanté. Je dis, hein. Parce qu'ils sont en mesure de prendre ses Kanté et de faire... Je dis, hein. If you are beautiful, c'est-à-dire si tu es bête et fou, I will kiss you. Je vais te canner. Donc, je suis ici parce que Kunta m'a dit, va me prendre les lampes de Chola avec les Wa Africa. Parce que si tu rentres ici sans ces choses, tu seras soumis à un délestage sentimental aigu, continu et accru. J'ai fait l'enregistrement de ce que tu étais en train de dire aux tests tout à l'heure. Je vais faire, m'en vais faire sur ça à Kunta. Allez, on grille, tu es je me dis, presse rendez-vous samedi prochain quand il sera 11h pour les 60 minutes les plus attendues de votre chaîne de télévision. Je ne sois pas de ce studio, je vais présenter toutes les émissions. Okay. Je ne sois pas. Je vais présenter toutes les émissions, même si vous lancez le générique. Ah, tu vas t'essouffler avant la deuxième émission. Je présenter toutes les émissions. Je crois que les gars qui présentent les émissions, là, il faut la chercher.